Donc aujourd'hui, me voilà dans le parc Palo Verde, qui est, comme vous pouvez le voir, un petit paradis, avec les marécages de tout ce côté-là, la forêt tropicale, les plaines, et la rivière, en fait, qui fait plus ou moins le tour du parc, et puis qui va se jeter un peu plus loin, près de Punta Arenas, dans la mer. Personne dans le parc. Franchement, c'est calme. Que du bonheur, que du bonheur. Je savais d'avance qu'au Costa Rica, les mammifères seraient plus difficiles à observer que les oiseaux. Cependant, ici, dans le parc de Palo Verde, j'ai eu la chance d'observer plusieurs espèces que je n'ai jamais vues jusqu'ici. Pareil pour les coatis. Ces animaux de la taille d'un gros chat ne sont vraiment pas farouches. Souvent en groupe, ils déambulent tranquillement en quête de nourriture. Ils sont très sociables, surtout si vous avez de la nourriture. Rapaces des plus étranges, les caracara évoluent principalement au sol, en quête de serpents et d'autres reptiles qu'ils affectionnent particulièrement. Ici, la victime est un crapaud, que le couple se partagera ou pas.